Salut la compagnie, c'est Pento Prestart. On se retrouve pour une émission, bien grand mot, pour plutôt le test de Jonalomu Rugby Challenge. Un jeu énorme. Moi je le dis déjà, j'adorais beaucoup le Jonalomu sur Saturn. Je jouais sur Saturn à l'époque. Et Jonalomu donc revient cette année après tant d'années où il n'y a pas eu de jeu de rugby. Il y en a eu deux cette année, j'ai pas envie de parler du premier. Là j'ai plus envie de parler justement de ce Jonalomu qui ressemble beaucoup au jeu de foot que l'on aime du moment, pour pas citer FIFA. Et bon, c'est sûr qu'il n'y a pas la carrière solo, il n'y a pas plein de trucs de FIFA, mais bon, en même temps dans le rugby il n'y a pas tout ce business de transfert de joueurs, tout ça qui nous intéresse. Il y a vraiment le principal dans ce Jonalomu. C'est vrai que il y a un petit peu le même système de carrière de FIFA, vous allez voir dans les menus, dans les options, tout ça, mais il y a vraiment, je dirais presque un strict minimum, il y a énormément d'équipes, il y a un strict minimum dans l'interface, mais finalement, c'est pas plus mal parce que on n'est tout simplement pas là pour donner des aptitudes à un mollet ou à une cuisse ou à une tête par là. Non, là c'est vraiment du pur plaisir de gameplay de rugby. Et vous allez voir, rien que le principe de faire des passes avec les petites gâchettes de la manette, c'est énorme. C'est ce qu'il y avait déjà à l'époque, mais c'est vraiment, ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'action, jusqu'à la ligne. Et c'est vraiment parfait. Là on voit toutes les équipes. Ce qu'il y a de super bien aussi dans ce jeu, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. C'est on peut créer son équipe, soit créer des joueurs, les mettre dans une équipe, ou soit vraiment créer son équipe et mettre ses joueurs. C'est ce qu'on voit là tout de suite à l'écran. Moi j'ai mis mes potes, là on voit Pento Bogan, ça c'est moi. Excusez-moi, on va pouvoir même voir 2-3 personnes du site, je crois que j'ai fait exprès de montrer leur visage. Alors je suis désolé, ils vont vraiment pas être contents, parce que... Alors ça c'est Frank Nightmare, c'est le bonhomme qui m'a fait la musique... que je remercie beaucoup, qui m'a fait la musique du générique. Là on va voir Isaac. Alors Isaac, c'est exactement lui, il va se reconnaître, il va vraiment être content de l'art que j'ai pu faire avec un jeu. Altris, tout à fait lui, il me fait penser à quelqu'un de connu, mais j'ai pas envie de le dire parce que je pense qu'il ça lui plairait pas. Ça lui plairait pas, je lui dirais en privé. David Binch, alors lui c'est un ami qui vient quelquefois parler avec nous sur le forum, qui joue beaucoup au jeu de la bombe, donc j'ai voulu lui rendre un petit hommage. Vispasem, donc qui ressemble plus à Chuck Norris dans la vraie vie, et qui est un excellent rédacteur sur GA, d'ailleurs on attend bien, on attend ses prochains articles, et là on vient de voir Toffley, qui est un petit acteur du forum puisqu'il joue avec nous sur Minecraft, et ça c'était Frankie Sensei, donc personne ne le connaît, mais j'avais bien envie qu'il se reconnaisse en regardant la vidéo. Alors je vous parlais il y a quelques instants du mode carrière de Rugby Challenge, de Jonalomu Rugby Challenge. C'est vrai que moi il me fait penser, c'est un petit peu repris du FIFA, l'interface, voilà, il y a jouer match, simuler match si vous voulez pas le jouer, donc ce qui sert à rien, je déteste cette option, c'est pas du jeu quoi, c'est du spectacle. Voilà, gérer la sélection, les adversaires, paramètres, bon après c'est vraiment pas autant détaillé, c'est vrai qu'à côté d'un, par exemple on voit FIFA 12, l'interface elle est immense quoi, c'est vraiment ça va vraiment très très loin dans le choix d'options. Là il y a le strict minimum, mais ça suffit parce qu'on est là pour faire du rugby et non pas pour faire les transferts. Je pense que bon, il y a les rugbyman qui adorent ça. Moi c'est vrai que je suis pas non plus un rugbyman à part entière, mais voilà, je connais pas tous les joueurs et ça m'embêterait d'avoir à faire les remplacements, les transferts, tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut au moins connaître un minimum de joueurs pour apprécier ça. Là c'est plus adressé à un grand public, mais quand même faut être passionné de rugby parce que faut comprendre les règles. D'ailleurs bon, je l'ai pas mis, mais il y a un didacticiel vidéo qui explique les règles du rugby, et ça je trouve ça génial parce que moi c'est avec Jonalomu de Saturn, comme je vous disais, que j'ai appris à jouer au rugby. Et qu'on apprenne à jouer les règles du rugby dans un jeu, je trouve ça géantissime, parce que c'est pas nous qui allons acheter un bouquin, on va pas lire ça dans la presse, les règles du rugby, et si on demande à un collègue ouais c'est quoi les règles du rugby, même s'il connaît pas les règles du rugby, il va vous dire ouais t'es pas bien, tu connais pas les règles, enfin bon, on l'a tous vécu ça, moi je l'ai vécu il y a une dizaine d'années, voilà, ça c'est clair.
Alors le mode entraînement qu'on voit là vous sera très utile pour apprendre tous les gestes qu'ils ont mis, qui sont vraiment nombreux. Et donc toutes les feintes de passe, tout ça, et puis aussi pour apprendre les règles, hein, par la même occasion, c'est là où on voit l'application de ce qu'on a appris en vidéo juste avant, si on a bien fait le tout dans l'ordre. On peut vraiment s'entraîner à tout, c'est-à-dire même à tirer le 3 points. Et on voit, comme un peu les jeux de golf, on voit le vent au sol, le sens du vent et la force, enfin surtout la vitesse, et il va falloir essayer de placer le ballon entre les poteaux. Forcément la première je la loupe comme d'hab, mais la deuxième je crois que je gère pas mal. Et voilà, par contre c'est un défaut qu'on peut mettre pour la suite, c'est qu'on verra dans le match, parce que tout à l'heure j'ai mis un match, et là on va voir, le ballon va passer assez près du poteau, donc ça va. Mais c'est vrai que dans le match vous verrez, hein, j'ai un moment j'ai tiré et sans spécialement toucher le poteau, il devait y avoir je sais pas 20 cm entre le poteau et le ballon, bah le ballon est quand même parti dans un sens opposé. Pas trop compris, mais bon, après voilà, j'espère que c'était juste un petit bug ou que c'est juste parce que c'est du Fairy Tail justement, comme d'hab, hein, voilà. Et voilà, j'espère de pas trop le retrouver, comme là on l'a pas retrouvé, donc je pense que ça posera pas spécialement de soucis. Et je sais plus si je l'ai dit, mais je m'excuse aussi des graphismes, hein, voilà, c'est comme je dis, c'est du Fairy Tail, ce sera toujours. Donc je veux pas trop en parler là du graphisme, parce que croyez-moi, en HD c'est vraiment très très joli. Et j'aimerais pas que vous fassiez une fausse idée de par mon matos, hein, comme d'hab, mais bon, c'est voilà, on parlera beaucoup plus de la partie de gameplay du jeu que du graphisme. C'est là aussi qu'on peut remarquer que les mouvements sont vraiment super bien faits. Il y a beaucoup d'animations, c'est-à-dire qu'on peut même faire un plaquage, le fameux plaquage interdit qui consiste à choper son adversaire par le cou et le foutre au sol. On peut même faire ça, et forcément bon il y a faute, hein, mais vous verrez dans le match que c'est bluffant toutes les animations qu'on peut voir et même expression du visage finalement par rapport à. Bon bah comme un peu FIFA, hein, on a une petite séance d'entraînement, on peut faire un peu n'importe quoi avant le match. Quand je dis ça, moi je fais n'importe quoi, c'est clair que c'est pas dans ce petit laps de temps que je vais faire ma formation, que je vais entraîner mes joueurs, donc voilà, on s'amuse, on appuie sur plein de boutons, c'est rigolo, ça permet de passer le temps de chargement et c'est sympa, c'est un peu comme dans les NBA aussi maintenant, ils le font. Et une très bonne idée, donc là je dis ça parce qu'effectivement on va commencer le match dont je vous parlais, donc avec mon équipe de potes, et vous allez voir que c'est vraiment bon, ça aide pas, il pleut, il y a du brouillard, donc ça aide pas à mon câble Fairy Tail, mais vous allez quand même pouvoir voir la dynamique du jeu, le rythme, et surtout que ce que ça donne, c'est assez réaliste. Et moi ça me plaît beaucoup. La chose totalement impensable, John Alomou dans l'équipe de France, oui je l'ai pris, j'adore ce joueur. Savoir que je connais pas trop le rugby non plus sur le bout des doigts, donc c'est l'un des seuls que j'ai connu il y a 10 ans ou un peu plus maintenant, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti sur cette forme. Et voilà, on voit déjà que c'est tout de suite, on est dans le match, hein, c'est surtout pas traîné, et là c'est avec les petites gâchettes qu'on va devoir faire la passe. Alors on essaie de forcer, généralement on force avec le bouton A, et avec le bouton Y, là on peut vraiment faire des gros plaquages, apparemment le bouton Y est bien violent. Là on a l'équipe mêlée, donc le but quand c'est l'équipe mêlée comme ça, c'est d'appuyer sur X très vite et d'appeler des joueurs avec A ou B pour gagner ce petit QTE qui, voilà, là la barre bleue c'est moi. Le but c'est d'appuyer sur X, d'amener des joueurs pour que ce soit plus facile à remplir, et une fois qu'on a vraiment rempli le bleu, bah on récupère la balle et on voit ce système qui est génial, moi j'adore, c'est quand on a le ballon, quand on attaque, la caméra se met derrière le joueur. Et quand on défend, bah la caméra se met devant, c'est-à-dire derrière les joueurs qui attaquent, et ça c'est un super bon principe, on voit dans Madden, peut-être dans les jeux de basket, je sais plus, c'est vrai que moi je suis pas trop jeu sport, mais j'adore ce point de vue qui devrait être repris dans FIFA. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de FIFA. Et là, bon, on voit que ça pêche, il passe ces derniers moments une faute, voilà,
un excellent arbitre, enfin, si je connaissais le match comme il se passe en ce moment. Et on va voir, il me semble que là on va voir une mêlée. Donc les mêlées sont super intéressantes. Là je suis toujours donc la France, les rouges avec la barre bleue. Et le but ça va être à son top de d'appuyer en avant avec les deux sticks pour tomber pile poil sur le trait et avoir le plus de puissance et avancer. Et là, ça va être le premier essai, la première transformation. Enfin, la transformation, oui, je cache la surprise, mais... Ah, quoi que non, c'est peut-être... je sais plus si c'est ce premier essai ou deuxième essai qu'on voit justement le poteau horrible sur le bord d'un poteau transparent. Vous verrez de quoi je parle. Donc, ça, c'est David Binch. Je suis content. Là j'ai mis donc, un ami à moi, Bob Rastalian, qui joue avec nous sur Trackmania en tireur. C'est l'un, on va dire, ce plus costaud avec moi de tous les potes. Désolé Francky qui voudrait bien être costaud comme moi, mais pardon. Alors est-ce que c'est là qu'on va faire le poteau? Et là, bing, voilà, je sais pas si vous avez vu, mais c'était pas du tout, ça s'est pas du tout écrasé sur le poteau, moi j'ai trouvé. C'était un peu chaotique, mais bon, en même temps, ça reste un jeu, et comme je dis, vous voyez, il y a ces petits traits là, horribles de cap de Quaritel, on va dire que c'est à cause de ça. Comme ça, on va rester sur la base d'un excellent jeu. Alors voilà, là c'est la fameuse petite mêlée que je gagne généralement. Bon, des fois on va le voir, je la gagne pas spécialement. Et puis voilà, ça c'est vraiment le truc que j'adore, c'est la gâchette. Et le but c'est vraiment de doubler tout le monde sur la droite pour aller transformer, pour aller marquer un bel essai. D'ailleurs là je vais même avoir le temps de revenir derrière les poteaux. Alors quand j'ai créé mon équipe, j'ai pas mis tout à 100, parce que déjà là je suis tout à 75. Enfin, tous les joueurs sont à 75 de force et ils sont déjà très très forts. Donc je pense que si on met tout à 100, ils doivent voler comme Superman ou je sais pas ce qu'ils doivent faire. Mais c'est vrai que s'il y a un mode en ligne, à mon avis, mais tout le monde va mettre la puissance à 100. Donc c'est vrai qu'il y aurait peut-être là le système de FIFA à faire évoluer les joueurs selon les matchs, tout ça, c'est peut-être mieux que pouvoir... Enfin bon, je crois qu'on peut le faire aussi, c'est un long débat, pareil, c'est un petit peu le choix de chacun, de toute façon. Après c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de régler la puissance selon son jeu, c'est-à-dire que si on sait qu'on met un très très fort sur en ligne, on va pas mettre des joueurs à 100 parce qu'on va, vraiment s'embêter contre les autres. Alors comme nous le voyons, encore un essai transformé. C'est vrai que je suis, comme d'hab, hein, comme vous avez pu le voir déjà dans les deux dernières vidéos, je suis un super bon gamer. Et je suis PDG de Good Game Hall déjà, donc ça voilà, c'est un titre honorable. Qui fait de moi vraiment l'un des meilleurs gamers de France. Et voilà, donc je crois que là bientôt je vais me prendre un point, mais voilà, ça va être là, alors tout bête, voilà, là il donne un petit coup de pied en avant, là je sais pas pourquoi, il ramasse pas le ballon, et heureusement disons que j'ai une bonne équipe, parce que à la fin du championnat que je suis en train d'entamer, parce que là c'est pas la carrière, hein, je suis en train de faire un championnat du monde, je sais plus ce que c'est. Je pense que je vais vraiment galérer à la fin, parce que c'est encore très très brouillon ma technique, bah j'ai pas de technique, hein, c'est vrai que je prends... Faut appuyer sur B pour changer de joueur, on l'oublie un peu, parce que c'est vrai que quand on joue un jeu de foot, c'est plus la gâchette qui là sert à passer le ballon. Donc forcément, il y a des joueurs qui courent un petit peu n'importe où, mais je pense que ça vient très vite par la suite. Je me souviens de Jonathan Lumi, c'était à peu près pareil, enfin sur Saturn, c'était à peu près pareil. Au début, on galérait, et plus on y jouait, et plus on avait envie de jouer, et plus on était fort. Et moi, je jouais avec un cousin que j'ai d'ailleurs mis dans l'équipe, là, Hervé. Et c'est vrai qu'on faisait des matchs de tuer, ça allait de gauche à droite, c'était vraiment génial, oui, parce qu'à l'époque on jouait en diagonale, je crois, enfin de gauche à droite. Là, ça donne des matchs beaucoup plus dynamiques, justement, d'avoir cette vue qui se retourne pour mettre en faveur l'attaquant, quoi. Enfin, pour voir son équipe tout le temps. Quand on attaque, on n'a pas besoin de voir les arrières. Et quand on défend, on a besoin de voir la ligne des arrières, donc c'est assez bien pensé comme ça. On voit beaucoup d'eau, hein. Alors là, c'est la touche, c'est pas trop mal, là je crois que je vais pas la voir, j'ai pas trop compris encore le principe, là c'est vrai que la barre je l'ai mise un petit peu à gauche, donc on dirait que ça l'a plus envoyé vers eux.
alors que je suis dans le vert, enfin c'est un peu confus, mais généralement quand vous arrivez bien à mettre au milieu et appuyer sur B, il récupère le ballon et c'est parti. D'ailleurs là on va le voir, là je la mets plus vers la droite et je récupère le ballon et c'est parti pour le essai. Ouais, donc là pareil, hein, j'ai pour habitude, donc comme en vrai, de tirer des grands ballons en touche pour pouvoir faire une touche le plus près de la ligne. Là, j'ai encore pas trop la notion de la distance et à chaque fois, je l'envoie sur un joueur. Et là, on va bientôt arriver sur. Je vais marquer un essai et je suis tombé sur un gros morceau hip hop et je vais vous laisser découvrir ça. Je me tais, écoutez. It was a good build-up here. I love the way they handled themselves, and they get some points as a result. Another try will bag them the bonus point. They are looking pretty good at this stage, aren't they? Another try will bag them the bonus point. They are looking pretty good at this stage, aren't they? Alors si ça c'est pas un morceau West Coast, alors moi je m'appelle vraiment pas Pento. Hein. Non mais sérieusement c'est génial de tomber sur un truc comme ça à la volée. C'est des moments comme ça un petit peu anodins. Un petit peu surprenant et vraiment moi, je suis à fond hein, quand j'entends ce morceau, j'ai presque envie d'écrire un morceau du coup maintenant, enfin bref. Voilà, donc encore un essai, c'est pas croyable, hein, j'arrête pas, c'est une grosse tôle que je leur mets. En même temps j'avoue aussi, je suis, si vous voulez savoir la difficulté pour le match qui est en train de se dérouler, je suis en facile, en difficulté il y a très facile, facile. Normal, dur et très dur, je crois. Il y a même pro, enfin, il y a quand même pas mal de niveaux de difficulté. Donc, je suis en facile et c'est vrai, hein, je suis encore pas trop joué, j'arrive à gagner, donc je suis content. C'est vrai que j'aime bien commencer les jeux facilement pour pas trop stresser et casser ma manette tout de suite. Et je la casse en very hard, la manette, au mieux vaut ne pas la casser, donc généralement au bout d'une bonne trentaine d'heures de jeu. Voilà, parce que je mets aussi longtemps à devenir bon, c'est comme à FIFA, j'ai fait, je sais pas, peut-être 20 ans de FIFA, je me fais toujours éclater par David Binch ou par Isaac, ils pourraient vous le dire, j'avoue, je reconnais, mais bon, comme, après on peut pas être bon en tout, sauf moi, bref. Voilà, là on vient de voir des joueurs débordés sur la touche, alors c'est ce que je vous disais, hein, des fois c'est assez violent quand même les déplacements des joueurs, mais je pense que c'est plus mon jeu qui fait ça, plutôt que vraiment les matchs en général. Je pense que normalement il faut vraiment avoir plus de stratégie, hein, semblerait-il. Moi c'est vrai que c'est plus passer le ballon avec les gâchettes, courir comme un calu et aller poser le ballon derrière cette ligne. Voilà. Alors j'ai voulu marquer le coup quand même aussi en faisant ce test, puisque là, bon, je vais un petit peu dire la date à laquelle on est juste après la victoire de la demi-finale des Français dans la Coupe du Monde 2011. Alors je marque l'histoire et j'espère que le week-end prochain ça va vraiment dépoter pour la finale. Bon, en même temps, perso, moi je suis pas très rugby, mais j'y crois pas trop. C'est en face de la Nouvelle-Zélande qui a éclaté tout le monde cette année, un peu comme d'habitude, mais encore plus cette année. Et voilà, je croise les doigts et j'espère vraiment que le rugby est un sport qui mérite vraiment qu'on gagne une bonne grosse coupe du monde. Parce que c'est un jeu, ouais, un jeu, oui, c'est un sport qui évolue de plus en plus, qui a de plus en plus d'abonnés, de passionnés plutôt. Moi je suis un peu trop dans le site, je sais pas, d'abonnés. Mais voilà, et c'est vrai qu'avec des jeux pareils, moi je le trouve vraiment énorme, hein, ce jeu John Alomu Rugby Challenge. Et grâce à des jeux comme ça, la passion risque encore de s'étendre. Alors j'espère dans le bon esprit.
C'est vrai que le foot, moi, ça m'a un peu gavé au bout d'un moment. Bon, à part les jeux, mais j'ai fait beaucoup de foot et la mentalité foot, moi, c'est, voilà, à part le jeu, maintenant, ça m'intéresse plus trop. Il y a un peu trop d'argent, c'est un peu trop n'importe quoi. Il n'y a plus de mentalité vraiment propre au foot, quoi. Les joueurs arrivent avec un casque sur les oreilles, jouent leur match, repartent avec l'iPod sur les oreilles, c'est, voilà. Le rugby, c'est beaucoup plus familier, moi, je dirais. C'est vraiment un esprit que vous devez connaître. Si vous avez c'est un petit peu Pento Maestro, je suis désolé, mais bon, franchement, si vous avez un club, ou si vous êtes parent, que vous avez des enfants qui aimeraient bien faire du rugby, je vous incite même à aller au match le week-end, tout ça, vous verrez, la mentalité est géniale. Bon, bah, hormis la troisième mi-temps que tout le monde connaît, hein, c'est vrai qu'à part ça, enfin, même les petits, hein, font la troisième mi-temps, je crois, avec du Coca-Cola, tout ça, ils apprennent tôt, ils apprennent jeune. Mais c'est vraiment, ouais, un sport qui vaut le coup d'évoluer, mais en gardant sa mentalité que, voilà, moi j'aime le rugby, ça reste bon pour les règles que j'aime beaucoup, mais aussi pour la mentalité. Je vais encore voir des matchs de rugby quelques fois, j'adore ça, et voilà, je dis chapeau à tous ceux qui continuent à faire évoluer cette passion. Voilà, j'aurais pu mettre une petite musique au piano derrière, vous auriez tous versé vos larmes. Je sais pas, mais non, je tenais sincèrement à dire et voilà, moi je suis très heureux déjà aussi que la France soit en finale la semaine prochaine, même si le match a été un petit peu de la chance, mais bon, les autres seraient passés, voilà, on n'aurait pas été contents, et là, on gagne un point, on n'est pas content, de toute façon, le Français n'est jamais content, moi je suis content, et je suis un Français content, voilà, bref. Ce que je vais faire, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que, voilà, j'en ai marre, donc je vais arrêter, non, je plaisante, non, mais c'est aussi un petit peu que vous puissiez profiter du match, en fait, de l'ambiance du match, parce que c'est vrai que moi, je parle beaucoup, je compte beaucoup de vides à faire des ou des ou des nickel, ou des normalement, ou des, enfin, voilà, et je vais, voilà, là, comme c'est un jeu de sport, je vais vous laisser un petit peu avec le match tout seul avec un no comment, et comme ça au moins vous verrez un petit peu l'ambiance dans laquelle on se situe quand on joue à ce jeu qui est énorme, avec les commentaires en anglais, avec le public qui crie, avec les coups quand on se reçoit un coup, les joueurs qui font des petites onomatopées comme ça, et voilà, bah écoutez, je vous laisse, j'ai été bien content de vous présenter un petit peu ce jeu, hein, et je vous laisse avec tous les systèmes de mêlée, de passe, de tout, faites-moi une idée. Je vous dis à très bientôt. Tout est formidable. C'est bientôt sur GGA et j'espère que vous aimerez encore entendre ma douce voix qui vous explique toutes les faces du jeu. Ciao. Ciao, ciao. 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 The ball there now. Pass goes to number 12. It's a penalty. They were clearly in front there and he's caught them. We'll have a look here. Yeah, that's offside. Referee right on the spot that time. They opt for the kick, looking to increase the gap. The open side flanker to kick for goal now. Six minutes left here. He gets the penalty, just crosses through. They've got a lot of points from goal kicking in this game so far. So Oyama gets us going again. So time is almost up here. Shut down by the second 5-8. Gives it out to Naliko. Cut out ball. Oh, that pass has missed everybody. Tries to fend off the back rower. Can't do so. A final whistle is almost upon us. Possible turnover here. Turnover. They were banking on getting this back, and now they have from the turnover. Boatava unable to tackle effectively. Delivers the ball to the front rower. It drags it over halfway. Three throws a shocking pass. It's picked up by Kerry Sony. The ball is set up in the ruck. Feeds it off to number two. Oh, he's lost the ball. Knock on.
So ref playing advantage. His hand's just letting him down on that occasion, and he's knocked it on. An unforced error, really. The weather is definitely playing its part. And we'll just have a look at this. Yeah, he couldn't handle the ball and then knocked it on. You'll be annoyed at that. And that's the game. The French victorious over Fiji. Another try will bag them the bonus point. Long the way they handled the ball.